Bonsoir. Donc, on se retrouve pour la suite de Zelda. C'est la 5e milliardième de fois que je refais la vidéo. Ça veut rien dire. En fait, ça fait 1 an et demi que j'ai pas joué à ce Zelda. Réellement, hein. Vous avez vu, il y a une pause de presque 1 an entre la vidéo précédente et celle d'avant. Et je suis complètement paumé. Même mes touches n'étaient pas sur les bonnes touches de la manette. C'est pour vous dire à quel point j'arrivais même pas à jouer au jeu. Voilà, je suis un peu paumé. Et ça y est, j'ai retrouvé mes marques. Cette fois, c'est la bonne. Allez. Donc là, il faut aller à droite. Voir ce petit Mimaniche. Alors, on est obligé de lui parler, sinon la bibliothèque elle est fermée. Mais ta gueule. On va faire un assemblage de fragments. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a parlé à ce jeune homme, ce jeune Mimaniche. Musclé ? Non, je rigole. N'importe quoi. Je suis de la grosse merde. Et du coup, on va pouvoir partir d'ici. Surtout qu'il ressemble à rien, le Mimaniche. Je suis pas intéressé par les maniches mâles. Mais il n'y a pas de maniche femelle, j'ai remarqué. What the fuck, hein. Ah non, d'accord, je crois que c'était un monstre qui se suicidait, mais en fait non, c'était juste... C'était juste un Octorok qui crachait ses pierres. Donc vous voyez, bah, le truc là, l'espèce de fissure dans la glace là, ça c'est le prochain donjon en fait. Mais pourquoi je fais ça? Donc là, on va retourner au village. J'ai trop d'argent, c'est chiant. Faut que j'achète la grande bourse. D'ailleurs, je sais pas où on l'achète la grande bourse. Ce sera pas ici. Ouais, vous voyez là, la bibliothèque est ouverte. Bon, on va voir plus tard pour la grande bourse. Donc c'est tout con, hein, il suffit d'aller là. Bon, là, vous voyez qu'il y a des traces, c'est un gros bordel. Et il y a un grand-père qui dit... Putain, je vais enlever cet objet parce que j'en peux plus là. Voilà. Putain. Quoi? C'est quoi ce cri de taré? Hey, on va faire ça. Hein. C'est ça qui est chiant de faire les fragments à 100%. C'est qu'il faut trouver lesquels qu'on a pas fait quoi. Un coffre. Voilà, mouche. Ah non, une fissure, ok. Ok. Donc, la canne de truc là. J'allais dire la canne de Somaria, mais ça s'appelle le bâton sauteur dans cette version. Ok. Et on va aller là. Voilà. Quoi, c'est pas ça? Ah non, ouais, c'est plat en bas. Non, je vais pas. Je m'en doutais de quoi. Putain, le manque de confiance. Parce que normalement, on peut aller là. Et chez Bukta, mais. C'est un peu con de cette mini là aussi. C'est comme si on achetait une maison, mais que les murs pouvaient bouger, quoi. C'est un peu débile. Bref, du coup, on va sortir d'ici. Et on va aller reparler aux réceptionnistes qui vont nous dire. Quel livre il manque? Attends, on va juste faire un petit coup de. Voilà. C'était juste pour faire le bruit en fait. Enfin, un bon bruit lorsqu'on reçoit un don sur Twitch. C'est le truc horrible. Alors la jeune fille qui voulait savoir élever contre son chat, alors où est-ce qu'elle est, putain, tu me rends le livre espèce de connasse. Faut la tabasser jusqu'à ce qu'elle le rende, je crois. Ils sont bons mes légumes. Oh,
en plus c'est vraiment des carottes. Il y a pas de navets. Il y a des choux, des carottes, des. Je sais pas. Il y a des champignons. Ça c'est des. On dirait des. Putain, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Non, c'est pas grave. Ah, ça va me torturer toute la vidéo. Vas-y, c'est quoi le nom de ce légume là? Fenouil, c'est du fenouil. Ok, on s'en fout. Du coup, on va aller. Je sais qu'il y a quelque part où on peut acheter un flacon. Ah, mais ça serait la jeune fille de son chat là, je sais pas quoi. Attends. Ah non! Ah ouais! C'est bien ça! Ouais, mais on peut pas rentrer donc. L'autre qui veut élever son chat, je sais absolument pas où elle est. Ouais, en fait, hein, c'est vraiment la vidéo faite à l'arrache. Au cas où vous auriez pas remarqué. C'est où qu'on achète la grande box? Le gars il fait des vidéos pour les faire des solus, mais il sait rien. Ouais, mais moi je veux la jeune fille là avec son chat là, c'est où? Ah! Allez, chez les voisins. Toujours chez les voisins, truc de fou. C'est très gentil à toi, mais va le rendre. Putain, on est un esclave dans le jeu, c'est un truc de fou. Donc faut aller là. Faut aller là. Il est en haut, ok. On va arrêter de jouer au con, on sait très bien comment on va faire. Il est chiant, quoi. Il fait, oh merde, je me demande comment on va faire. Oh non. Prends-nous pour un con, quoi. Alors, du coup, on va passer par là, hein, c'est clair. Du coup. Un coup de canne. Ouf. Ah, il est super, il a un assemblage de fragments. On va lui faire un tac. Un petit assemblage de fragments. Je sais pas si je vais réussir à faire tous les livres dans cette vidéo. Alors que je sais même pas où il faut aller. Alors. Ouais, parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce Zelda. Enfin, continuer ce Zelda. Que je me suis dit, allez, faut y aller. À force de se poser des questions, qu'est-ce qu'il faut faire en premier, machin, on va essayer de faire une vidéo où c'est bien organisé. Bah, je la fais pas la vidéo donc. Parce qu'en fait, plus j'ai envie de la faire quoi. Donc autant la faire comme ça. Merde, mais comment on va là-haut? Oh non, me dis pas ça. Putain, j'ai compris. Oh, j'ai compris. Il faut aller dans la cheminée. Sauf que il faut de l'eau pour éteindre le feu. Alors. Est-ce qu'on a un flacon? On va le balancer, hein, son truc. À moins que l'autre nous mande un flacon. Pourquoi j'ai qu'un flacon, d'ailleurs? Ça, c'est pareil, y a moyen d'en avoir d'autres. Mais du coup, là, vu que j'ai voulu faire la vidéo à l'arrache... Mais non, donne-la-moi, putain. Bon, bah, on va balancer la fée. Allez, dégage. Et on va lui donner... On va prendre de l'eau. Non, pas comme ça. Et on va l'arroser le chat. C'est le truc de gros bâtard. Non, du coup, on va aller... Mais c'est plus à là. Putain, je suis en train de me paumer tout seul. Ah, c'est quoi ça? Cool. Salaud. Et j'ai que 500 rubis maximum. Enfoiré. Alors du coup on va aller là. Mais non mais... Putain, je suis bourré ou quoi là? Je fais quoi? Alors attendez. On va aller là. Putain, on va finir par y arriver. Hein. Ça va être une vidéo par livre. Ok. Ah donc là... Là, faut juste esquiver le chat en faisant le des mouvements comme ça. Il dit ça, mais en fait, il nous a pas attaqué parce que je suis trop rapide.
Merde, faire comment? Ok. Miaou. Eh, je suis là. Merde. Je vais faire une roulade au dernier moment, mais c'est un peu impossible en fait. Putain, il m'a enlevé 3 quarts de vie. Ok. Du coup, ça c'est bon. Il y a beaucoup d'animaux dans ce Zelda. Ok. Par contre, je sais toujours pas où acheter le grand flacon, j'aimerais bien l'avoir. Enfin, la grande bourse plutôt. Peut-être là. Au pif. Non, ça c'est le jeu. Le mec avec la tête de porc. Et ça c'est quoi? Ah oui. Je viens d'y aller il y a 2 minutes, mais je me rappelle déjà plus. Ouais, c'est ça. Ok, du coup... J'aimerais vraiment avoir la grande bourse, c'est assez gênant. Je sais pas où c'est. C'est chiant. Je regarderai hors vidéo. On va essayer de se concentrer sur les livres. Non, 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 non. Merde, c'est où ça? La maison avec les moulins en haut. Putain, mais aide-moi. Il sert à rien ce perso. C'est là? Ah, ça c'est le temple ça. Putain, mais c'est où le moulin en haut? Ah, mais oui, mais je suis un attardé. C'est dans le village. Le moulin en haut, bah c'est là. Merde. Y'a le chien qui bloque. J'ai pas de flacon. Alors du coup... Oui oui on sait. Et franchement la grande bourse ça m'aiderait vraiment là. Je sais pas du tout où c'est. C'est rien de me le dire dans les commentaires. Hein. C'est, je le saurai bien assez tôt. Ouais. Yes. Ça a l'air tellement compliqué. Non mais c'était ça. J'ai oublié mes touches encore. Ok, du coup, tac, tac. Ouais, sinon, faut juste foncer avec les bottes et avoir les deux équipés en fait. On va voir s'il nous prend un autre truc. Sauter plus loin et plus haut que conk. Ah oui, c'est avec la... Non, ouais, avec la cape. Ok. Bon, en gros, c'est après chaque donjon, faut venir le voir quoi, limite. Le moulin en haut. Bonjour madame. Tac. Non, c'était bien là le moulin en haut. Ouais, ok. Je pense qu'on va y arriver en moins de 50 minutes. Attends, c'était la maison près du moulin haut ou c'était dans le moulin haut? Et tais-toi, toi. Alors, du coup, c'est le dans le moulin haut, ouais, c'est dans le moulin haut, quand même. On va faire... On va aller dedans. Quand même. Et mais c'est quoi ces gens? Bon, ok. Mais comment je pourrais aller là? C'est que je suis... Attendez, on va essayer un truc. Est-ce qu'il faut que je pousse l'autre d'abord?
Je sais plus comment on fait. Faut pousser les deux. Peut-être en fonçant. Non. En fonçant dans la gueule de la meuf. Non mais tais-toi toi. Non mais y'a rien là. Non mais c'est sûr qu'il faut passer par là mais... Attendez, y'a peut-être plus simple que ça. C'est peut-être tout con. Peut-être qu'il faut juste passer par l'autre trou, celui qui est en bas. Ah, attendez, y'a ça aussi. Ça fait quoi si on va là? Ok. Au revoir. On va aller donc ici. Le livre, tu l'as? Ouais, mais ça m'aide pas à trouver ton livre en fait. Merde. Eh, au pire, on a qu'à faire sa quête à la con, là, qu'il vient de dire. Ok. Je sais qu'en passant par là, on peut y aller à son truc. Ouf. Ok. Et il s'appelle vraiment Ouf. Moi je vais pas chercher à chaque fois les trésors que je fais apparaître parce que ça va faire 50 000 allers-retours, ça sert un peu à rien. Ok, bon ben voilà, je suis bien avancé. Putain, y'a un mini ici, tiens. Tout ça pour ça, ils ont mis un mini ici pour dire cette connerie. Putain, ils ont de l'humour. L'oiseau. On va parler à l'oiseau. Alors ça mec, c'est l'information la plus utile que j'ai jamais eue dans le jeu. Bon vas-y, on va monter par là. Comment on va là-haut déjà? Je sais plus. Passer par là-haut. Je sais qu'on parle les comment, les bracelets de force comme ça. Je sais plus trop comment faut y aller. Faut réussir à passer en haut là. Ah mais oui. Mais sauf que pour passer en haut. Ah ok, c'est bon. J'ai la solution. Du coup il faut se redevenir grand. Enfin pas grand, normal. Redevenir normal. Ok, ensuite, je sais pas si ça a duré qu'une seule vidéo pour retrouver le... pour aller au prochain temple, hein, ça va être chaud. Ok. Ah, je vais faire deux vidéos, ça sera mieux que... Ensuite... Voilà. Putain, en plus c'était tout con, hein. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Ça doit être parce que je suis très intelligent. Ah. Oh merde. Du coup on va retourner au truc. Chez même Innova là. Je sais pas comment il s'appelle ce perso. Il y a toujours un perso qui ressemble à ça dans les Zelda sur... comment? Sur Game Boy. Bon, c'est pas la vidéo de l'année, hein. C'est plus une vidéo de... Ah, trop cool, ça. C'est plus une vidéo de, comment dire... Bon, on avance. C'est plus une vidéo de transition, quoi. On va passer par là.
À partir de là, ça devrait être bon. On va esquiver les chats. Ah non, on est obligé de passer par là. Ah, c'est bon. Dégage le chat. Psst, miaou, miaou. Dégage. Ah, c'est bon. C'est une technique de speedrun pour aller plus vite. Non, je rigole. Bon, allez, hop. À coup de. Mais bien avant. Je me suis gouré de touche encore. Donc, attendez, on va mettre ça sur B. Et sur A, on va mettre ça, tiens. Hop. Et là, je commence à me rappeler pourquoi j'avais inversé les touches. C'est vrai que c'est pas du tout pratique. Ok, du coup, on va aller à droite. Ah, mais merde, je confonds toujours B et Select. Ah, ouais, je vois ce qu'il faut faire. Yes! Voilà, bracelet de force, parfait. Du coup, je sais pas s'il y a d'autres trucs à faire ici. Je crois pas. Hein. Ah ouais! On n'a pas de grappin, non. Non, je vois pas comment on pourrait aller là. Là, faut les palmes en fait. Je les ai pas encore. Ok. Bah du coup on va partir d'ici. Esquive. Double esquive, merde. Je vais mourir, tu vas voir. Allez, dégage le chat. Ah ouais, mais c'est trop chiant. C'est impossible l'esquive en fait. Ok, j'ai le trésor des miniches. Incroyable. Quelle aventure épique! On pourrait faire un dessin animé sur le trésor des miniches. Ça ferait une chanson avec un générique au début et tout. Ça... Enfant du soleil, tu parcours les trucs plein de chats. C'est le truc trop pourri! Du coup, voilà. Bah, c'est cool, j'ai les bracelets de force, mais je sais pas à quoi ça sert. Ok, bon. On va passer par là. On va redevenir grand et puis après on va. Ah putain, je vais rechanger les touches là, ça. Parce que c'est assez chiant. Merde. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de plus qu'avant avec ces bracelets de force? Je vous le demande. Est-ce que je peux pousser ça maintenant? Plus fort, non? Non. Ah mais c'est obligé que c'est en haut là, son livre. Parce qu'il est pas bougé d'ici donc. Quoi? Comment ça il venait du plafond? Ouais mais c'est ça, il est dans le plafond. Ouais bah il est là-haut. Mais comment on pousse ces trucs? Ça me rend fou. Bon bah on verra à la prochaine vidéo. De toute façon là faut que je regarde comment récupérer les palmes, comment récupérer les livres, et puis comment récupérer la grande bourse, et plein d'autres trucs. Donc bah je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que celle-là vous a plu. Bon je sais c'est le bordel, c'est très laborieux mais... En fait c'est simplement parce que... Ta gueule! Je l'ai mis où la touche B? Ah oui, voilà. C'est simplement parce qu'en fait, voilà, ça faisait, comme j'ai dit, un an et demi hein, que j'ai pas enregistré de Zelda. Et c'est assez compliqué. Donc pour me faire pardonner,
Je vais débloquer. Je vais débloquer une figurine devant vos yeux ébahis. Oh, nouvelle figurine, un œuf de Yoshi. Ah, c'est Nairo. Ah d'ailleurs, je sais pas si je vais montrer ça avant de finir la vidéo. En fait, Nairo, elle est dans le village. Non, en fait, je vais vous montrer la prochaine vidéo, ce sera moins chiant. Non, en fait, si on va tout à droite, il y a un hôtel et on voit Nairo, Faror et... comment elle s'appelle? Et l'autre oracle, l'oracle des saisons. Je me rappelle plus son nom. Putain, c'est de la merde, cette vidéo. Ouais, désolé, putain, mais... Fallait que je la fasse, parce qu'en fait... Depuis le temps que je fais pas, je continue pas le jeu, c'est simplement parce que je veux faire une bonne vidéo bien cadrée et tout. Avec tout dans le bon ordre et tout. Et en fait, à force de me dire ça, je la fais pas quoi. Donc il fallait que je fasse cette vidéo pour débloquer la situation, voilà. Donc, je sais, j'ai pas trop avancé, excusez-moi, mais... Allez, pour m'excuser, je vais débloquer une figurine, c'est les trucs. Je vais jamais arrêter. Allez. Allez, une dernière et après j'arrête la vidéo. Allez. Je me demande si la couleur de l'œuf n'a pas un rapport avec le... N'a pas un rapport avec le... la rareté des figurines. Normalement là on peut les voir, c'est ça hein. Ouais. Voilà. On peut voir nos figurines. Comme vous voyez, j'en ai pas beaucoup. J'ai Nairo, Malta. Et le Blobber, j'ai... Bah en fait j'en ai que 3. Je l'avais fait qu'une seule fois, ok. Ça explique pourquoi j'ai 99% de chance d'obtenir les... celles que j'ai pas. Bref, je vous dis à la prochaine où on va finir cette quête de livres. Je vais essayer d'obtenir la grande bourse et un max d'objets optionnels. Et à la fin de la vidéo, on arrivera devant le prochain donjon. Et du coup, dans 2 vidéos, on fera le donjon. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. A plus.